Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour la semaine prochaine qui est du 20 au 26 avril. Comme vous pouvez voir, j'ai effectué deux tirages. Nous allons donc commencer à découvrir ce que la semaine prochaine nous réserve avec ces cartes-là. Je vous laisse découvrir les cartes. Voilà. Alors, comme nous pouvons voir, ça nous parle d'un homme qui est actuellement en pleine, qui est dans ses pensées, qui est en pleine réflexion. Pourquoi? Parce que, comment dire, en ce moment, il y a une personne qui est dans sa tête, mais on va dire qu'il y a un problème. Parce que certaines personnes de son entourage, eh bien, essayent de s'en éloigner, essayent, on va dire, de le convaincre que la personne avec qui il leur parle, eh bien, voilà, de l'oublier et tout. Mais moi, je pense que ça concerne, voilà, des personnes qui sont jaloux, jaloux, voire jalouses, parce que. En fait, voilà, cet homme qui est amoureux d'une femme va forcément se confier à ses amis. Et dans ses amis, il y a des femmes. Et on sait que les femmes peuvent être facilement jalouses, même si des fois leur relation n'est que amicale. Pourquoi elles sont jalouses? Parce que, en fait, elles pensent que le fait que cet homme, après, aura une relation avec une femme va laisser ses fameux amis de côté. Et du coup, par jalousie, essaye voilà, de le convaincre que de laisser tomber cette femme va en fait voilà, dénigrer cette personne, la personne avec qui il est amoureux, sans, voilà, sans la connaître, mais juste par jalousie. Et aussi parce que cette femme en question, cet ami, enfin, cette personne qui est censée être son amie, eh bien, elle est célibataire et il y a certaines jalousies du fait que son ami, c'est-à-dire cet homme, ait trouvé l'amour et pas elle. Voilà. Ensuite, nous allons voir avec le second tirage pour cette semaine à venir. Voilà, je vous laisse découvrir les cartes. Comme on peut voir, il y a cette carte qui est similaire à une autre carte de l'autre tirage. On nous parle, comme on peut voir également, de commérage. Moi, ça fait à nouveau penser à de la jalousie, du fait que n'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit. Certaines personnes vont se confier. Et on va dire, vont se confier aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que même si vous allez vous confier à une amie, c'est-à-dire une meilleure amie, une pote ou un meilleur ami, eh bien, ce n'est pas forcément la meilleure personne à qui vous devriez, voilà, avec qui vous devriez vous confier. Parce que les amis les plus proches ne sont pas forcément les personnes qui sont de meilleurs conseils parce que des fois, selon ce que vous allez lui raconter, des fois ça peut créer une certaine jalousie. Comme on peut voir, moi, cette carte-là, ça vous représente, étant donné que par rapport à tout ce que vous avez entendu de votre meilleur ami, vous allez un peu lui tourner le dos et vous allez justement réfléchir à tout ce qu'elle vous a dit. Réfléchir à savoir mais pourquoi elle m'a dit tout ça, moi ça me parle pas du tout, je m'attendais pas à ce que voilà à ce qu'elle me dit tout ça, je m'attendais à avoir des bons conseils, je m'attendais à être soutenu et malheureusement vous qui vous attendez justement à du soutien de la part de cette personne, eh bien va
on va dire, va essayer de vous éloigner de votre projet, de votre objectif personnel. Et du coup, moi, ce que je peux en conclure par rapport à ce tirage, c'est que finalement, vous allez vous dire que vous n'auriez pas dû, voilà, lui demander conseil, parce que ces conseils, finalement, ça ne vous aide pas, mais au contraire, voilà, ça fait tout le contraire, et que finalement, vous n'allez pas prendre en compte les conseils de votre ami, mais vous allez plutôt prendre votre propre décision. Parce que, comme je dis souvent, peu importe les choix qu'on fait, le principal, c'est que le choix vienne de nous-mêmes. Parce que si on décide par rapport, par rapport à ce que un ami ou une amie vous a conseillé, et que vous n'auriez pas décidé ça, mais vous auriez plutôt fait un autre choix, là, vous risqueriez par la suite d'être déçu et de regretter justement de ne pas avoir choisi l'autre option. Et d'avoir du coup regrette, vous allez regretter d'avoir choisi ce que votre ami vous a conseillé. Tandis que si c'est votre propre choix, peu importe votre choix, voilà, même si ça, que ça qui amène du positif ou du négatif, le principal, c'est le choix que vous avez fait, et au moins vous n'aurez aucun regret du choix que vous aurez fait. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez.